Parfois, cela nous arrive d'associer un type de film à un studio, même si c'est un peu moins le cas aujourd'hui. Et à une époque, il faut reconnaître que c'était vraiment une marque de fabrique. Lorsque l'on pense parfois à certains de ces logos, au début ou à la fin d'une œuvre de cinéma, on pense parfois à un souvenir, un style de film, une époque chérie ou non par notre enfance, ou de notre vie d'adulte. Et franchement, j'avoue que quand je vois certains logos de compagnies de production ou de distribution, certains me font un petit effet. Bon, à part celui de Disney que l'on connaît tous et qu'on associe forcément à l'enfance, il est parfois complexe aujourd'hui d'associer un style de film à un logo, tant les longs métrages se sont diversifiés et que surtout, de nombreux auteurs ont pris le pas sur la puissance de ces majors, surtout aux États-Unis, et donc en un sens, sur leur modèle de production et de conception du cinéma, qui pouvait être très différent dans les années 50 ou 60 par exemple, où des auteurs restaient associés à des majors durant une majorité de leur carrière, pour le confort de production mais aussi pour des raisons de distribution qui semblaient évidentes et qui le sont moins aujourd'hui. Et dans l'époque dans laquelle nous sommes aujourd'hui, donc un peu trouble dans ce style-là, il y a pourtant un studio qui a réussi à bien se démarquer de la masse. Un studio que l'on associe à une lettre et à deux chiffres, signifiant le nom d'une route au cœur de l'Italie qui a donné l'idée à un homme, Daniel Katz, de fonder en 2013 une compagnie de distribution sur le territoire américain avec deux amis travaillant également dans le monde du cinéma, David Fenkel et John O'Gies, pour mettre en avant un cinéma indépendant américain qui avait connu une heure de gloire dans le milieu des années 2000, mais qui était en perte de vitesse depuis le rachat de Searchlight Pictures par Disney dans ce temps. Alors naquit le studio A24. Une compagnie qui aujourd'hui représente l'idée même de ce que se doit d'être le cinéma indépendant américain. Un cinéma audacieux que les trois producteurs ont su porter et ont su surtout ouvrir au monde entier, mettant ainsi en avant de nombreux longs métrages, orientés vers le genre mais également vers le drame et le fantastique par moments, pour des films souvent hors normes, souvent rares, souvent fous, mais aussi parfois un peu difficiles d'accès. Se forgeant une étiquette de production unique et surtout se donnant une image de marque que beaucoup envient et que peu parviennent à égaler. Et personnellement, je pense que si vous suivez cette chaîne depuis un petit moment, vous savez que j'adore le style de long métrage de cette boîte de production et de distribution. L'histoire de cette boîte est assez folle en un sens, et sonne également comme l'idée parfaite et la réussite égale par excellence. En 2013, les trois hommes décident donc de fonder cette boîte de distribution qui s'oriente directement vers le cinéma, mais également qui commence à se diriger aussi vers la télévision. Après une première distribution limitée d'un film peu notable, pour sa qualité j'entends, dans la tête de Charles Swan Free, la compagnie décide de se lancer dans la distribution de grands auteurs en mettant notamment en avant The Bling Ring, The Spectacular Now et surtout Spring Breakers, qui aura une reconnaissance internationale dépassant son statut de petit film d'auteur, qui mettra en avant la boîte de production et qui permettra à ses créateurs d'acquérir une image, notamment auprès du cinéma indépendant américain. Là où le studio va réellement exploser, c'est en faisant un immense coup de poker, 3 ans plus tard, en se lançant dans la production de films et en choisissant comme étendard un long métrage, deuxième de son réalisateur, qui allait faire un carton. Un film que beaucoup de monde semble avoir oublié, sauf pour avoir volé la vedette à un autre gros long métrage de cette période. We lost, by the way, but you know. I'm sorry. No, there's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. Et oui, A24 va se lancer dans la production avec le long métrage de Barry Jenkins, qui va obtenir directement l'Oscar du meilleur film, largement mérité selon moi, et montrer surtout que les trois producteurs et créateurs de la société de production n'ont clairement pas le nez creux pour dénicher des œuvres sortant de l'ordinaire, et la suite de la société de production, maintenant, ne risque pas de démontrer l'inverse. Dans la foulée de ce succès, le studio va enchaîner plusieurs énormes projets de cinéma dont vous avez forcément entendu parler. Hérédité et Midsommar d'Ari Aster, dont on va reparler demain, les films de Yorgos Lanthimos, The Lobster et La Mise à Mort du Cerf Sacré, tous deux récompensés à Cannes, et aussi Uncut Gems des Frères Safdie, qui sera la grosse sortie Netflix du début d'année 2020. Et puis l'histoire continue jusqu'à tout dernièrement, où le studio a une nouvelle fois démontré qu'il savait dénicher les petits projets sortant de l'ordinaire en se retrouvant propulsé sur le devant de la scène grâce à Everything Everywhere All At Once, qui a remporté quasiment tous les prix des dernières cérémonies américaines de cinéma, et notamment le fameux Oscar du meilleur film. Mais alors, avec tout ça, revenons à la base de cette vidéo, qu'est-ce qui fait l'identité d'A24 ? A24, dans la tête d'une majorité de personnes, ou en tout cas de cinéphiles, c'est une boîte de production qui a poussé le genre dans un retranchement cinématographique à mi-chemin entre le cinéma d'auteur et l'expérimentation frontale et surprenante, pouvant passionner tout autant qu'interroger les spectateurs. Pour d'autres, la société de production s'est surtout imposée comme la machine à cinéastes de ces dernières années, permettant à de nombreux jeunes auteurs, plus ou moins ambitieux, de proposer des films sortant de l'ordinaire, et de le faire avec une liberté créative totale, donnant lieu à des moments de cinéma uniques, magiques même pour certains, et presque inespérés pour d'autres vu l'époque de production dans laquelle nous sommes. Mais avant tout, Je pense que c'est surtout une boîte de production qui a souhaité sortir du lot, laisser le champ libre à ses créatifs pour donner des films qui sonnent comme une réponse à un besoin essentiel pour le cinéma de nos jours, voire du neuf. Mon avis du coup sur cette boîte de distribution et de production repose exactement sur cette même réflexion. Personnellement, je vois dans A24 ce que la Canon a pu être à une époque pour le cinéma d'action, soit une société où l'on sait qu'en voyant le logo au début, on va voir une œuvre sortant de l'ordinaire, chercher à nous pousser dans une direction que l'on a l'habitude de voir certes, mais pas avec l'œil que ses producteurs et ses réalisateurs ont l'habitude de pouvoir nous offrir, repoussant ainsi les limites du genre. Au-delà de la qualité évidente des films, c'est la proposition qui en découle qui me touche personnellement. Cette ambition folle qui se ressent dès la présence de ce logo et qui donne ainsi un peu plus que simplement l'impression de voir un film différent, mais qui confirme que le cinéma peut être encore, dans notre époque cataloguée et parfois stéréotypée, avant tout une proposition de 7e art, une certaine idée que l'on peut se faire de celui-ci, en plus qu'un moment ambitieux et parfois même révolutionnaire, et en ce sens, les dernières productions du studio, et même simplement les derniers films distribués, vont exactement dans ce sens et font même plaisir à voir. Et forcément, au vu du film qui sort cette semaine, on n'est pas prêt de quitter ce chemin de sitôt, je peux vous l'assurer. Car oui, si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que le studio enchaîne son 3e coup de poker avec Ari Aster cette semaine en nous offrant son nouveau projet pharaonique. Un projet titanesque et absolument fou, une œuvre de 3 heures basée sur un concept simple, un homme veut rejoindre sa mère. Que demander de plus ? Bon, cela on le doit surtout à l'auteur, mais le fait de voir une telle fidélité de la part d'un cinéaste pour sa maison de production me rappelle forcément une époque où Spielberg ne faisait que des films avec Universal, où Kubrick ne laissait ses longs métrages qu'être distribués par la Warner. Donc en un sens, si elle n'est clairement pas au niveau de ces deux grands monstres légendaires du cinéma américain, je pense que sur le long terme, A24 sera cette boîte de production qui restera affiliée à une certaine idée du cinéma. Une idée que le 7e art peut être différent, peut être fou, peut être ambitieux, mais surtout peut offrir quelque chose de singulier dans notre époque. Et je soutiendrai toujours ce genre de démarche, parce que pour moi, c'est ça le cinéma.